J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Tu vois, nous allons le voir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une personne étrangère. C'était un juif là, donc un chrétien, quelqu'un de la maison. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset, mais le verset qui nous intéresse ce soir, le verset poussé par le Saint-Esprit que nous allons visiter, je le lis d'abord. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne. » Le thème de ce soir, c'est « Je n'ai personne pour m'aider. » Je n'ai personne pour me délivrer. Je n'ai personne pour s'occuper de mon dossier. Je n'ai personne. Alors, Jésus lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre personne descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, ce fut le miracle. Je vais lire pour un bon entendement à partir du premier verset. Après cela, Jean chapitre 5, à partir du premier verset, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jésus monta à Jérusalem. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe à Jérusalem. Ça se passe à Colonne de Feu de Lumière, à son église mère, la maison de prière ce soir. Il dit, or à Jérusalem, près de la porte de Lévis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Alléluia. Et la Bible dit que sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4, car un ange descendait car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait, voilà le cas, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? D'autres versions, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, tout à l'heure j'ai lu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand cela arrive, et quelqu'un d'autre va avant moi, je ne peux rien. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit, je te rends gloire, Seigneur Jésus. Merci Père, au nom de Jésus pour les prodiges, pour tèvement, pour le miracle spirituel, pour la semence spirituelle, pour la miséricorde de ce soir, au nom de Jésus. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Ce soir, nous allons parler de cet évangile que nous connaissons déjà. La Bible déclare que c'était à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où Dieu a dit, je fais résider mon nom. Là, Jésus n'est pas encore allé à la croix. Donc, il s'agit de ce Jésus qui a rendu son ministère terrestre. Et il s'agit ici du temps de la loi. C'est à Jérusalem que les gens devaient aller prier. C'est à Jérusalem, Jérusalem veut dire, c'est la ville de paix, la ville de grâce, la ville de miséricorde, la ville où Dieu fait ses miracles. Dieu fait ses prodiges. Alléluia. Alors, il s'agit de Jérusalem. Jérusalem, nous allons transposer, c'est aujourd'hui sur la terre. Jérusalem, c'est l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Il s'agit de quelqu'un d'autre. Il s'agit de Jésus vient à l'église ce soir. Jésus vient à la maison de prière ce soir. Amen. Et la Bible déclare que ce lieu s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda veut dire lieu de miséricorde. L'église sur la terre, c'est le lieu de la miséricorde de Dieu. L'église ne peut réussir quoi que ce soit que par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Les chrétiens ne peuvent guérir, ne peuvent être délivrés que par la miséricorde de Dieu. Alors la Bible déclare que sous ce portique, il y avait cinq portiques. On n'a pas le temps d'avoir la révélation sur les cinq portiques. On peut dire les cinq ministères, on peut dire tout ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'y passe.
Sous ce portique était couché un grand nombre de malades. C'est incroyable. Aujourd'hui encore dans l'église, il s'agit d'un juif là. Il s'agit de Jérusalem. Et nous l'avons dit par le Saint-Esprit que Jérusalem, on va dire, c'est l'église. N'est-ce pas? Et les juifs ici, c'est les chrétiens. C'était un juif, c'était un chrétien. Donc il y a encore dans l'église, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, des chrétiens qui sont malades. Des chrétiens qui sont oppressés. Des chrétiens qui sont paralytiques par rapport à la vision de Dieu. Qui sont sourds, qui sont muets. Ça veut dire qu'ils n'entendent pas Dieu leur parler. Qu'ils sont sourds par rapport à ce que Dieu va leur dire. Dieu leur dit, mais ils n'entendent pas. Et qui sont muets, qui n'arrivent pas à s'exprimer, ou bien quand ils parlent, on ne les entend pas. Qui sont paralytiques, qui n'arrivent pas à avancer. Ils font du surplace. La Bible déclare que, de temps en temps, n'est-ce pas, il y avait un ange qui descendait et qui agitait de l'eau. Et quand les gens, quand l'eau était agitée, n'est-ce pas, le premier qui tombait dans l'eau, quand l'eau était agitée par un ange, l'ange venait de temps en temps, et ce n'est pas régulièrement, cette personne-là a été guérie, quelle que soit la maladie. Oh, les anges, n'est-ce pas, sous la loi, rendaient ministère. Dieu envoyait ses anges pour rendre ministère. Les anges sont des esprits de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le royaume. C'est vrai que ça agit encore aujourd'hui, mais nous allons voir aujourd'hui, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu, parce que sous la loi, effectivement, la loi disait que l'eau devait être agitée. Et c'est là que celui qui va plonger dans l'eau, le premier, est guéri. C'est un limitatif. Or, cet homme-là est là depuis 38 ans, il était paralytique. Donc, la loi nous imposait à cette époque-là que si tu veux être béni, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu veux être béni, tu dois plonger dans l'eau. Avant tout le monde. Et c'était une seule personne qui était guérie à la fois. Et c'était ça la loi. Or, la loi ne pouvait donc pas aider cet homme. Les capacités de la loi. La loi place l'homme sous l'égide du péché, incapable de réagir. Cet homme-là n'avait pas de force, justement parce qu'il était paralytique. Quand l'eau est agitée, il fallait plonger, il fallait courir et plonger le premier. Mais lui, il était paralytique, il était sans force. Il était incapable. Donc, devant la loi, devant le péché, nous sommes la situation dans laquelle place l'homme dans le péché est incapable de recevoir la grâce de Dieu. Et cet homme-là reflète l'état de l'homme devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes incapables de marcher. Devant Dieu, nous sommes incapables de réussir quelque chose de nous-mêmes. Devant Dieu, nous sommes incapables d'entendre si ce n'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il fallait vraiment la miséricorde de Dieu. Parce que personne, effectivement, la Bible déclare que lui-même, il le dit, je n'ai personne. Pourquoi? Parce que lui-même étant incapable, il n'avait pas la force de plonger. Parce que ceux qui avaient les pieds plongés avant lui, ça veut dire que dans ce monde, sous la terre, même au niveau de l'église, c'est le chacun pour soi. Quand la bénédiction, la prophétie, la prédication, ou bien quand les œuvres de Dieu sont demandées, c'est ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui peuvent, c'est le chacun pour soi encore à l'église aujourd'hui. Lui ne pouvait pas. Certainement, nous avons déjà entendu cette histoire. Nous avons entendu cette expression-là. Je n'ai personne à la primature. Je n'ai personne à la présidence. Je n'ai personne là-bas au ministère. Je n'ai personne qui peut prendre mon dossier. Je n'ai personne même à l'église pour prier pour moi. Je n'ai personne pour m'introduire auprès de l'apôtre. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour ceci. Je n'ai personne. Donc, c'est l'incapacité de l'homme. Même aujourd'hui, même entre humains, entre parents, amis et connaissances, on le dit également, je n'ai personne pour porter ma situation, je n'ai personne pour parler de ma part, je n'ai personne pour brandir ce que je vis, je n'ai personne effectivement pour me donner de l'argent, pour me soigner, je n'ai personne pour me loger, je n'ai personne pour pouvoir m'aider, je n'ai personne ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Il y a quelqu'un. Amen. Qui est la miséricorde. Amen. Ce soir, il n'est pas, c'est pas une affaire de loi. Tu crois ou tu ne crois pas. Ce temple-là, le fait qu'il soit resté là 38 ans, c'est qu'il espérait. Le fait que tu sois venu ce soir, nous ne sommes même pas nombreux. N'est-ce pas, tu dis, Jésus va venir pour une seule personne. La miséricorde peut être ce soir pour toi seul seulement. Amen. C'est comme ça que je dis. Alléluia. C'est comme un hôpital de campagne. C'est un hôpital dans la Bible déclare qu'ils étaient nombreux. Ils étaient plusieurs. De temps en temps, quelqu'un était guéri. À l'église, à cette époque-là, de temps en temps. Mais ce soir, il n'y a plus de temps en temps. Jésus vient pour une personne.
Cette personne-là veut dire que chacun de vous, chaque personne ici, Jésus vient pour toi. Mais toi, ne dis pas que comme l'apôtre a dit, que Jésus va seulement guérir une personne ce soir. Non, quand je dis une personne, ça veut dire que chacun de vous, est, Dieu s'intéresse personnellement, individuellement à chacun de vous, n'est-ce pas? Il vient pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, de façon individuelle. Alléluia. Regardez, cet homme-là, il se plaignait. Il est là depuis longtemps, mais rien ne s'est passé. Il voit les miracles, il voit les autres témoigner, il voit la vie des gens changer, il voit les dossiers des autres avancer, il voit les situations des autres réglées, mais il croit, mais à un moment donné, c'est, la loi était là. Ce soir, l'homme qui est au-dessus de la loi, c'est-à-dire que l'homme qui a donné la loi et qui est venu accomplir la loi pour toi, c'est-à-dire maintenant, c'est l'homme de la miséricorde ce soir. Ce soir, Jésus va venir personnellement pour toi. Jésus va venir personnellement pour ta situation. Ça fait 38 ans qu'il était là. Ça fait un an que tu attends. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas. Ça fait un moment que tu attends d'être enceinte. Tu attends d'avoir la miséricorde de porter l'enfant. Tu attends la miséricorde d'avoir un fiancé, de te marier. Tu attends la miséricorde que ton dossier financier soit débloqué. Tu attends la miséricorde. Tu attends depuis longtemps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce soir, l'homme de la miséricorde, l'homme du miracle, l'homme du témoin, l'homme du prodige, l'homme des signes, l'homme du témoignage a décidé de se déplacer. Une seule parole ce soir. Une seule parole ce soir. Il est des situations où l'homme-là n'a pas invoqué Dieu. Il était sous la loi. On a dit, il faut venir à l'église, on va prier pour toi. Et puis, si Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce. Dieu est souverain, n'est-ce pas, non? Maintenant, il était sous cette loi-là. Donc, il n'a plus invoqué Dieu. Il se rend même compte seulement, il faut venir à Jésus, miracle. On va voir ce qui va se passer. Mais toi qui es venu ce soir et qui attends ton miracle depuis si longtemps, la Bible déclare que Jésus s'est dépêché personnellement. Il y a un moment dans la vie où la miséricorde de Dieu doit intervenir. Il y a un moment dans la vie où on n'a plus besoin de prier. Parce que Jésus sait que tu crois. Il sait que tu espères au miracle. Il doit donc intervenir. J'ai terminé la prédication en disant ce soir, cet homme-là, il ne sait même pas, il n'a même pas reconnu Jésus. N'est-ce pas? La Bible déclare que devant tous ces malades et paralytiques, cet homme-là c'est toi, cette femme-là c'est toi, cette personne c'est toi. Par la parole, Jésus vient au travers de sa parole et sa parole doit être proclamée par son serviteur. Dis-toi bien que celui qui proclame la parole porte Jésus en ce soir. Il te dit ce soir, veux-tu être guéri? Veux-tu que ton dossier soit payé? Veux-tu que tes factures soient payées? Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être reçu? Ça fait longtemps que tu as demandé au diable, on ne te reçoit pas. Tu as fait longtemps que tu veux avoir, tu veux témoigner que Jésus est puissant, mais tu ne tapes pas la grossesse. Veux-tu attraper la grossesse ce soir? Veux-tu avoir un fiancé? Veux-tu que ton fiancé aille te présenter et déclarer la femme à tes parents? Quel que soit, la Bible déclare que de temps en temps, quand l'ange venait, n'est-ce pas, il était, quelqu'un était guéri, quelle que soit la maladie. Oh, si quand l'ange vient agiter l'eau, quelle que soit la maladie, la personne est guérie, mais à plus forte raison, celui qui envoie l'ange, celui qui est le créateur, qui est la parole, qui s'est fait chair, elle s'est manifestée, et ce soir, à travers sa parole, il te dit, veux-tu que ton dossier soit réglé ce soir? La Bible déclare que l'homme l'a commencé à raconter en haut. Je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Mais c'est celui qui a tout et tout. Celui qui accomplit toutes choses par sa grâce et par sa miséricorde. Celui qui voit que tu souffres. Celui qui sait que si ce dossier-là est réglé, tu vas pouvoir aider beaucoup de personnes. Tu vas pouvoir résoudre, tu vas pouvoir témoigner. C'est celui-là qui est devant toi ce soir. Ne sois pas comme cet homme-là qui commence à raconter. Ce soir, dis seulement, la miséricorde est pour toi. Lui dit, la miséricorde est pour moi. La miséricorde de Dieu est pour ma maison. C'est pour ma famille. C'est pour ma situation. Or, APM, apôtre Paul ici, la miséricorde de Dieu, c'est pour ce ministère qu'on a le fait de lui. La miséricorde, c'est pour ton foyer, c'est pour tes enfants, pour ta maison, les enfants de la chair et du sang, les enfants de l'alliance et les enfants de l'esprit. Ce soir, la miséricorde, c'est pour mon pays, le Gabon. La miséricorde, ce soir, c'est pour mon président Ali Bongo Ondimba. Et avec lui, tous ceux qui sont élevés en dignité, pour le gouvernement gabonais, pour mon pays. La miséricorde de Jésus, ce soir, c'est pour tout ce qui me concerne, au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus vient. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen.
Lève-toi dans la foi, crois cela. Prends ton lit, le lit ici, par exemple, on va prendre un cas. Le lit d'une rivière, c'est pas qu'il y a un lit, c'est la position que tu occupes. Alléluia. Crois en Dieu et reprends spirituellement la position que tu occupes dans ta famille, amen, que tu occupes dans ton foyer, amen, que tu occupes dans ta maison, amen, que tu occupes dans ton travail, amen, que tu occupes au milieu des tiens. Donc, crois et pense, considère la position que tu occupes où que tu ailles. Que tu sois incontournable, c'est ton lit. Le lit d'une rivière, c'est là où la rivière passe. Ton lit, ce soir, c'est ta position spirituelle que tu occupes, même dans ton ministère. Prends ton lit et marche. La Bible déclare que ce homme a besoin de marcher. Alléluia. Ce soir, si tu es malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, elle s'en va. Nous avons terminé, on va se lever. Nous sommes ici pour une seule parole. Je ne t'ai pas demandé de prier ce soir. Je te dis que Dieu descend pour toi. Jésus s'est révélé pour cette personne-là. Et la grâce que Dieu a donnée dans mon ministère, c'est que quelle que soit la maladie, Jésus m'a dit, tout ce que tu demanderas pour les autres, je te l'accorderai quand il s'est révélé à moi. Dans cette maladie, dans cette église, si tu fais ce qu'on te dit de faire, et tu crois en la parole de Dieu, toutes les maladies sont guéries ici. Je défie quiconque par la grâce de Dieu, l'onction qui est dans ce ministère, quelle que soit la maladie avec laquelle tu viens ici. On prie pour toi et tu crois et tu ne meurs pas. Sauf si derrière tu fais autre chose, tu ne meurs pas. Ici, quelle que soit la maladie, tu guéris. C'est pour ça que nous faisons jeudi tellement. Le jeudi du miracle, le courage et le signe. Dieu a donné l'onction du miracle à ce ministère. Et je défie souvent les gens ici, quand vous venez une fois, vous venez à trois cultes seulement, vous changez. On n'a même pas encore prié pour vous. Vous n'avez même pas encore rencontré le pasteur. Vous venez trois fois seulement. Et vous changez. Alléluia. Je vais terminer en deux minutes. Je vais pointer du doigt chaque personne. Et je proclame les mêmes paroles que Jésus. Si tu es malade, au nom de Jésus, la miséricorde de Dieu vient sur toi. Tu es guéri, dis amen. Si tu es souffrante, au nom de Jésus, la miséricorde de Dieu vient et règle ta situation. Vraiment, si tu es oppressé, quelque chose n'arrive pas à être réglé ce soir, la miséricorde de Dieu s'intéresse à ton cas. Jésus te visite personnellement. Lève-toi et marche, prends ton lit, au nom de Jésus. Ma soeur, je m'adresse à toi. Regarde-moi bien. Ce soir, la miséricorde de Dieu te touche particulièrement et touche tous les pans de ta vie. Lève-toi, crois. Maintenant, prends ton lit et marche au nom de Jésus. Jésus, ma fille, Jésus, la secrétaire. Ce soir, la Bible déclare que la miséricorde de Dieu vient. Je voulais rappeler, avant de commencer, que ce homme était à un endroit de délivrance et de guérison puissante. Il était au bord de la piscine de Bethesda. C'était là la guérison. C'était là la puissance. C'était là la délivrance. C'était là. Mais la loi ne pouvait pas. Il n'avait pas de force. On peut être à côté du nom de Dieu et souffrir. Parce que la loi agit en toi. Tu peux être la secrétaire particulière du nom de Dieu, puissant et bon. Mais les choses ne peuvent pas avancer. Ce soir, Jésus vient personnellement et descend dans sa miséricorde pour te dire, c'est terminé. Lève-toi et marche. Nom de Jésus. Maman, regarde-moi bien. Il y a des situations où c'est Jésus qui doit intervenir. Tu as certainement prié. Tu sais de quoi je parle et toi-même, tu sais de quoi. Tu sais ce qui ne va pas. Ce soir, Jésus descend dans ta maison, dans ton foyer. Reçois-le dans ton cœur, amène-le à la maison. Prends ton lit et marche. Sois guéri. Que ton foyer soit guéri au nom de Jésus. Ma fille, mon bébé, au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu, je t'ai déjà dit cela, la grâce de Dieu est sur toi, au nom de Jésus. Le couple de mes parents, ce soir, quel que soit ce que vous viviez avant, ce soir encore personnellement, oh je défie les ténèbres ce soir, au nom de Jésus. Jésus descend dans votre foyer, vous allez dormir comme les bébés, la restauration est totale, levez-vous dans la foi et asseyez-vous dans votre séance, au nom de Jésus.
mais regarde-moi bien. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'action. Si tu es venu ce soir, c'est pour recevoir la miséricorde de Dieu. Je suis excellent à payer un ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Plus encore ce soir, la miséricorde de Dieu passe par moi pour te dire que lève-toi, tu es guéri de cette infirmité et cette solution est maintenant là pour toi au nom de Jésus. Ma mère chérie, ouvre les yeux. Je ne te demande pas de prier. Ouvre les yeux, regarde. Dieu parachève ce qu'il a commencé. Dieu parachève ce soir. Tu reçois la grâce particulière et la miséricorde. Au nom de Jésus. Maman, laisse-la. Regarde-moi toi. Toi-même, toi, regarde-moi. Non, ne regarde pas. Regarde-moi. Tends les mains devant comme ça. Comme Dieu, tu vas recevoir. Ce soir. Je sais que ton âme pleure. Je sais que tu as besoin d'une situation. Tu as besoin que les choses s'éclaircissent. Tu as besoin que les choses se mettent en place. Ce soir, tu n'es pas venu enfin. Tu as certainement prié. Tu as prié Dieu. Mais ce soir, nous parlons de la miséricorde de Dieu. Reçois en toi, avec toi, autour de toi et jusqu'à chez toi, la miséricorde de Dieu ce soir. Je proclame au nom de Jésus, tu viendras témoigner que la situation est résolue. Amen. Au nom de Jésus. Les anciens, anciennes parisiennes, ainsi parle l'Éternel. La miséricorde de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Ancien Darry, ce soir, il ne s'agit plus de prier. Il ne s'agit plus de prophétiser. Jésus est descendu personnel. Reçois ce que tu espères. D'un cœur disposé. Au nom de Jésus. Maman Kana, tes préoccupations, tes enfants, ton foyer, ton mari, ton ministère. Ce soir, Dieu te visitera et tu recevras la miséricorde, la direction que tu espères au nom de Jésus. Chandara la Santa. L'hérédité parle sur toi au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu. Reste fidèle au nom de Jésus. Ne triche pas. Reste fidèle. Dieu parachève sa miséricorde au nom de Jésus. Ah, Vergeur Saint-Hilaire, la fille spirituelle de la paix, l'ange éternel qui se tient devant Dieu. Tu jouis et tu bénéficies de l'aura de ton Père, la miséricorde dans son ancêtre, au nom de Jésus. Amen. Dani, écoute-moi bien, arrête de jouer, regarde-moi bien. Ici, tu as trouvé une maison. Ici, la maison de prière va s'appeler pour toi la maison de la miséricorde. Va rejoindre ton pasteur, vous allez partager ce que c'est que la miséricorde. Tu jouiras ici de la miséricorde, au nom de Jésus. Dani, Fils bien-aimé de la bergère, tu jouiras de la miséricorde de ta mère. Amen. Nous avons terminé, je vais prier pour la femme. Je peux vous certifier, je me manque. Le manteau est sur moi. Ceux qui ont l'esprit, ceux qui ont les yeux, ils voient comment. Si je bouge un peu, je ne peux même pas tomber parce qu'il va me soulever comme ça. Il est sur moi. Ceux qui ont les yeux voient comment. Le chéri d'un protecteur est sur moi. Ceux qui ont les yeux qu'on voit, comment l'aigle est sur moi comme ça. Il m'a attrapé par là. J'ai mal ici parce que ses griffes rentrent autour de mes épaules. Il me tient là. Il me chevauche comme un cavalier chevauche sa monture. Alléluia. Lève seulement. Si tu es gaucher, lève ta main gauche. Si tu es droitier, lève ta main droite. Maman, lève-toi. Regarde-moi. Continue à me regarder. Toi. Compte avec moi jusqu'à 7. Si tu arrives à 7, c'est bien. Compte. Vas-y. Un. Vas-y. Touche. Compte fort. 1. Touche. 2. 3. 4. 7. C'est là. Maintenant. Pasteur. 4. Un temps, deux temps d'apprentissage, un temps pour faire 4. Sa prophétie est déjà limitée à 4, ça ne peut pas dépasser. Si elle prévient, si elle est fidèle et loyale, et qu'elle donne celle de prendre un PC, elle ne peut pas dépasser 4 mois. Jamais. Elle peut même le finir en 4 semaines. Et dans 4 jours, oh, chaque il y a chaque jour. Dieu me dit qu'en 4 jours, elle sera visitée. Dieu lui donnera une parole en 4 jours. Il va falloir maintenant 4 jours, 4 semaines. Mais ça ne peut pas dépasser 4 mois. Qu'elle croit ou ne croit pas, quelque chose de puissant et de merveilleux. Le cœur de tenir la magie, je ne la connais pas. Tu la connais? Hein? Tu la connais, la magie, je la connais.
Très bien. Seigneur, prends ton pouvoir. Crois. Au nom de Jésus. Amen. La guérison des familles. La guérison des cœurs. La guérison des enfants. La guérison des maladies chroniques. On va en arriver. Au nom de Jésus. Ils sont à toi ce soir. Tu les as guéris. Laisse-moi cette canne-là. Ne t'appuie plus. Regarde-moi, Jésus. Regarde-moi. Laisse la canne. Donne la canne à la petite. Lève tes deux mains. Le pied qui fait mal commence à. Tu tapes ça 14 fois, doucement. 14. Le pied qui fait mal, 14 fois. J'ai des bailleurs, Satan. Dimanche, tu viens témoigner. Tu vas commencer à marcher. La Bible éclate. Ça marche. En marchant. Avant d'arriver chez toi, dimanche, tu viens témoigner. Seigneur, je le remets à ta grâce. Ce soir, aucun piège ne pourrait les empêcher de rentrer en paix. Tous les anges qu'ils ont reçus pour leur guérison rentrent avec la maison. Que ton nom soit béni. Et je scelle par le Saint-Esprit leur guérison, leur délivrance, leur dossier. Je révoque toute opposition de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Amen.